Ça touche pas aux amis, on se retrouve pour la suite de la série, surtout cas Wraith Driver. Donc oui, à chaque fois j'oubliais, donc cette fois-ci on va vraiment le faire. On va essayer de faire le 3 défis, notamment le défi qui consiste à essayer de battre ces voitures-là. Alors on a réussi qu'avec la Mini, on a aussi celle-là. Je vais tenter, pourquoi pas celle-là, tiens, elle est en Angleterre. On va lancer la course directe. On avait échoué, mais bon, ça va, on va quand même terminer deuxième, ça aurait pu être pire. Le championnat Europe, si je dis pas de bêtises, avec la Supra. Et on va voir ce qu'on a après comme autre contrat, hein, si c'est possible d'en avoir d'autres. Eh bien, le moment de vérité est arrivé. Possible. Bon, allons-y. Alors là, c'est la version longue du circuit, donc on va voir ce que ça donne. C'est une TVR, et à mon avis, ça va être une horreur à piloter. Bon, ça c'est reste mon point de vue. Je n'ai qu'un tour à faire pour le battre. Évidemment, ça m'a bien mis en tête et queue, c'est pas grave. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais je trouve que les projections sont plutôt bien faites au niveau du gravier. J'ai vraiment fait n'importe quoi, j'ai même pas réussi à prendre le virage. Bon, c'est perdu, hein, vous avez compris. Il va passer la ligne. Du coup, il faudra tout recommencer. Donc je vais faire recommencer. On va faire recommencer une fois et puis si on n'y arrive pas, on fera un championnat à la place. Il faudrait qu'il passe la seconde rapidement en fait, hein, parce que la première elle est trop longue. En fait voilà, à aucun moment je peux tourner, la voiture elle tire tout droit, c'est impressionnant. Quoi, ils ont coupé en deux la caisse. Alors on passe la quatrième à 200 km/h, ça n'a aucun sens. Heureusement qu'il y avait une partie un peu gravillonnée. Voilà, mais à aucun moment j'arrive à tourner en fait. Bon, ça passe, mais c'est vraiment n'importe quoi. Elle est incontrôlable cette caisse. Et on va faire continuer. Bon, du coup, on a gagné. Ah non, on va pas sauvegarder. Du coup, on va sauter en arrière. On va continuer maintenant la carrière. Alors, on va voir les emails, on va voir ce qu'on a reçu.
Donc, compétition d'un jour, alors qui sera organisée avec la course à Hockenheim, TV Artuscan Challenge. Sinon, en offre d'emploi, on a quoi? DTM. Franchement, je tenterais bien le V8 Supercar cette fois-ci. Allez, on va faire le V8 Supercar. Je pense que ça peut être intéressant. On aura des circuits très compliqués en plus. Notamment, je pense qu'on aura Bathurst, qui fait partie des circuits les plus historiquement difficiles. Il n'y a pas que lui, hein, mais je pense que c'est quand même le plus mythique dans l'histoire. Alors on se voit sur le circuit de Phillip Island avec une Ford Falcon. Bon, je préfère les Holden, mais bon, tant pis, hein, ce sera la concurrence pour une fois. Il va falloir que je devine comment elle se conduit. Bon, bah déjà, voilà. Ok, il reste une seconde à faire, c'est mort. Je pense que je finis 10 secondes de retard. Je pense que j'ai 10 secondes de retard à peu près. À rattraper. J'ai fait combien? J'ai fait 7 secondes. 7 secondes plus lent. Allez. Et c'est ma dernière tentative en plus. Ah, j'aurais pas dû ralentir. 3, 2, 1, 0. Ah, j'ai échoué pour... j'ai échoué pour une seconde à peu près, je pense. Bon, bah du coup, c'est mort. Mais j'ai quand même fait beaucoup mieux. Hein. Mais à la fin, je pense que j'aurais pu le prendre plus rapidement le virage. J'ai échoué pour 36 millièmes. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah ça passera pas. Du coup, le V8 Supercar, je pense que c'est mort, en tout cas pour le moment. Est-ce que j'aurai droit à une vidéo d'humiliation ou pas?
Alors, offre d'emploi, bon, j'ai rien du coup. Holden Commander, vue de supercar. Ah, on a encore d'autres choix. Bon, on va tenter avec la Holden. Pas de soucis, il faut que je fasse une deuxième. Ok, c'est une course apparemment. Sur le circuit des fils pas énormes, parfait, on va juste le faire avant. Donc avec un peu de chance, on va pouvoir cette fois-ci s'en sortir. Ah, tous la voiture, bon au moins ça sera faire. Donc oui, évidemment, on a beau être faire. Il y a pas plus que moi quand même. J'ai freiné, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça. Petite livrée Castrol hein, qui fera plaisir à certains, même si c'est pas vraiment la livrée ultra connue genre des Toyota. J'ai réussi à rentrer dans le leader, faire le tour qu'il fallait pas et me planter, c'est magnifique. Dommage, il me reste un virage à faire. Bon, je sais que le virage, je peux le prendre à fond, c'est déjà ça. Bon, j'ai échoué, encore une fois. Décidément. C'est une vidéo d'échec hein, que l'on a là. Bon, il me reste encore deux tentatives. Bon, cette fois-ci, ça doit aller quand même. Faut juste que j'ai dit de me prendre le leader en fait. Le Castrol Perkins Racing. Je sais pas si Commodore est toujours en. Parce que je crois que Commodore n'existe plus, il me semble, en V8 Supercar. Je crois qu'ils sont plus là. Au moins, il y a eu des Mercedes, des Volvo, je crois. Voilà. Pourquoi lui va plus vite que moi, aucune idée. Vraiment, des fois, c'est incompréhensible ce jeu. Et voilà, évidemment je l'ai touché, donc on va aller tous les deux dans le mur. Voilà, évidemment j'ai raté le freinage. Là tu me pousses. Et du coup c'est encore un échec, on peut recommencer. Putain je vais pas regarder. Je pense que je vais même pas regarder de la vidéo à force quoi. Mais ok. Allez on recommence, dernière tentative. Ah, c'est pas possible.
J'ai pas la même voiture qu'eux, hein. C'est pas possible. Non, c'est improbable que j'ai la même voiture qu'eux. Ou alors de l'aspiration, mais moi aussi je suis censé l'avoir, donc bon. Voilà. Et évidemment, boum, dans le mur. Voilà, voilà, et encore un demi-tour. Bon, allez, c'est bon. J'abandonne. Il fallait que je fasse l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Je l'ai faite. Game over. On laisse tomber. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de 8 supercars à moins d'avoir encore une offre. On va accumuler toutes les offres possibles, je sens. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai toutes les équipes qui peuvent me proposer de faire le 8 supercar. Donc on va aller encore chez Holden, on va refaire une tentative chez un constructeur. Et là, c'est carrément une course. Je sais plus combien il faut que je finisse, d'ailleurs. Bon, on va essayer, hein. Après tout, peut-être qu'à un moment, ça va passer, hein. C'était la dernière entrevue entre les frères McKen sur le bord de la piste. Nous verrons bien comment cela se passera lorsqu'ils se rencontreront sur le circuit. Ryan triomphera-t-il de Donny ou l'âge et l'expérience surclasseront-ils la fougue de la jeunesse? En tout cas, s'il y a un paradis, j'espère qu'il y a la télé, car voilà une saison que Kyle Motor City McCain ne voudrait pas manquer. C'était Lynn Diane pour... Je suis méchant. Je pense que si je devais couper tous les chargements dans le jeu, on gagne facilement 3 minutes à la fin de la vidéo. J'ai fait qu'on gagne cette saison, Ryan. Je ne te décevrai pas, Joe. Tu me déçois tous les jours, mais peu importe. Contente-toi de gagner quelques courses, ok? Oh, la Falcon à côté, elle est magnifique. Allez, évidemment. Ils sont tous plus rapides que moi, comme d'habitude. Retour à faire. J'ai même pas vu combien de quelle place il fait que je termine. Allez, bim, c'est le bordel, mais c'est pas grave, hein, on va tenter d'y aller quand même. Et voilà, encore une fois, je tire tout droit. C'est magnifique. Voilà. Il reste deux tours à faire. J'ai déjà grillé toutes mes chances.
Je roule avec une décapotable presque, limite. Il n'y a plus rien sur la gaz. Voilà. Allez, on est sorti au bon endroit. On va taper, se retourner, se faire renverser. Allez, on va donner la course. Bon, bah c'est l'illumination, hein, concrètement. Je sais pas ce qu'il y a à dire de plus, franchement. En plus, c'est bizarre, je n'ai même pas eu besoin de me qualifier, en fait. Je peux déjà faire le championnat, quoi. Je comprends pas. Eh ben on va recommencer, sauf qu'on va reprendre la même équipe, et on va recommencer en fait le tour en chrono, décidément. Hein. En fait le jeu, si vous avez compris en fait, hein, mine de rien, c'est qu'en gros vous pouvez être obligé de pouvoir faire ce championnat. En fait vous pouvez vous échouer à l'infini, on va quand même vous proposer un job. Il y a bien un moment, au bout de la 300-400ème fois, je vais réussir à pas faire d'erreur. Hein. Bon, peut-être pas là maintenant, parce que là c'est encore trop frais. Mais bon. Faudrait vraiment que je puisse régler ma boîte de vitesse, parce qu'elle est vraiment trop longue. Allez, là c'est passé. Il fallait bien que ça passe au bout d'un moment. Hein. 4 fois sur le podium. Ok. Bon. Bah, 4 fois sur le podium, ça va être chaud. Hein. Si déjà j'avais fait une course, ça sera incroyable. Parce que quand vous allez voir les circuits à faire et surtout, vous avez vu les courses d'avant, hein, déjà comment ça se passait. À mon avis, ça va pas être de tout repos. Un circuit standard comme celui-ci, il faut des réglages équilibrés. Ok, d'accord, merci, ça valait le coup. Donc, Philippe Island, 3 tours à nouveau. Et on va partir 9ème. Bon, pour cette fois-ci, on sera pas avec la Holden, on sera avec la Ford. Ouais, c'était le Camart Racing dont j'ai le souvenir pour la Holden, justement. Le Shell Helix Team, m'en souviens aussi. Bonjour, monsieur McCain. Je suis madame Dumont. Appelez-moi Ryan. Nous préférons gérer cette écurie de manière plus professionnelle, monsieur McCain. Nos sponsors ont des exigences très élevées. Ne nous décevez pas. Super l'ambiance, merci, ça valait le coup. Bonjour, on va vous mettre la pression. Hein. On vous a rien demandé, mais quand même, hein. Ça va être pour vous. Ah, c'est un Laurel derrière Camart Racing. Je me suis... La voiture, elle a glissé naturellement de l'autre côté, quoi. En fait, faut juste jamais toucher l'IA, quoi.
Sinon, bah c'est dehors. Voilà, un peu comme là. Oh! On en a réussi à passer, mais c'était juste. Hein. De sortie qu'ils ont, mais c'est juste improbable en fait. Alors devant c'est Ingolden, celle que j'ai eue tout à l'heure, avec qui on avait lamentablement échoué. Super cheap, ça me fait penser à... Bah super cheap justement. Oh, et voilà, on va partir en glissade. Ouh, il s'est fait retourner hein, par l'IA. Oh, le mec il a rien demandé quoi. Bon ouais, pour l'instant c'est pas mal hein, franchement. Je m'attendais pas à ça. On va pouvoir faire un... Après je pense que c'est ma seule chance hein, vraiment de marquer des points et tout, c'est ici. Que les autres circuits. À moins qu'on le fasse deux fois. C'est possible qu'on le fasse deux fois dans le championnat. J'ai pas regardé le l'entry list. Il y a encore les débris. Bon, je pense que la vidéo va durer beaucoup plus longtemps du coup, hein, parce qu'on est déjà à 30 minutes, on a à peine fait une course. Donc on va bien largement dépasser l'heure. Bon. J'ai envie de dire... Enfin, une bonne nouvelle. Alors, quel sera le prochain circuit? Ça sera l'Adélaïde. Alors, je connais l'Adélaïde, c'est un peu l'avantage que je vais avoir. Par contre, c'est la version courte, j'ai l'impression. Il y a la chicane du début, la ligne droite directe. Ok. Ah, mais c'est vraiment la version complète, en fait, d'Adélaïde. Une 23. Ok. Bon, je change rien. Denis McCain, hein, il y a mon équipier, enfin mon frère, hein, je pense, qui est sur la grille de départ, troisième.
Ah, ok. Alors, attention à la chicane. Oh, la chicane a l'air assez simple à prendre pour une fois. Oh, il y a une voiture qui est partie en tête à queue. Ouf, ouf, ouf. Attention, gros freinage. Ça va, Adelaide, je connais. Mais c'est juste que la variante, elle est un peu bizarre. Enfin, pas la variante, mais... quand on change de jeu, le circuit est souvent un petit peu interprété différemment. Ok, bon bah c'est le même circuit. Aucune différence. Il semblait quand même qu'il y avait un pif-paf gauche-droite un peu plus léger à un moment. Mais... Bon bah... Voilà, hein. J'ai raté mon freinage, il semblerait. Hein. Oh, le choc est tellement violent, j'ai déjà la suspension qui est complètement retournée. Attends, je pensais que j'avais pas loupé, hein. Je pensais que j'avais vraiment freiné au bon moment. Bon, j'ai pilé, évidemment, mais... Ah, bah il s'est loupé, tiens. Je pense qu'on va le prendre à fond. Non, évidemment. Il a fallu que je tape le truc. J'ai fait ce que j'ai voulu ne pas faire, en fait. Bon, j'ai plus de moteur, j'ai plus rien. Je sais même pas ce que je vais pouvoir faire. J'ai encore raté ma chance, hein. Et il faut que j'arrête de prendre l'intérieur du virage. Mais c'est pas possible. Mais quel débile. Mais c'est incroyable. Oh là là, mais au secours, mais achetez-moi, je sais pas, amenez-moi dans un hôpital, quoi, faites quelque chose. Normalement, je peux sortir un peu plus large, ouais. Ici, c'est bon. Oh, on n'a rien vu, hein. Ouais, j'en rigole encore, parce que c'est tellement ridicule que... Ah, je me suis dit, je peux le prendre à fond, faut juste que je tente pas trop fort pour pas me prendre l'intérieur du virage. Bah, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'intérieur du virage. Bah les débris, il va dans une tonne, ouais. Non, je sais même pas comment je vais faire pour... Pour maintenir la voiture derrière moi, parce que j'ai vraiment la voiture qui est totalement morte. Cette boîte de vitesse, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. C'est... Je perds... Enfin, toutes les courses, en fait, c'est immonde. Ah, là, ça passe. Bon, bon, moi, je le réussis une fois, ce virage. Ah, j'aimerais bien pouvoir doubler les deux devant moi, mais ça va être compliqué. Bon, le premier et le deuxième, c'est mort. Je sais pas comment je vais faire pour finir dans les points. Enfin, je sais pas comment j'ai pu finir dans les points. Parce qu'honnêtement, avec la voiture... Enfin, ce qui me reste de voiture... Bon. Comment j'ai fait ça? Bah, c'est simple, j'ai juste raté mon freinage. Je t'expliquerai, hein. Tu verras, on fera ça en vrai. Bon, quatrième, ça aurait pu être pire. Pff, oh là là, je pense que j'aurai droit à une belle cinématique, à mon avis. Je crois que j'ai tué vraiment quelqu'un, hein. Même pas. Ah, Donnie McCain, évidemment. Évidemment, Donnie McCain, je vous l'annonce dans le mille. Il va gagner le championnat. Hein. Donc on va pas se regarder.
Alors, prochaine course, attendez, Eastern Creek, je ne le connais pas, Canberra, je ne le connais pas, Sandown, je ne le connais pas, Bathurst, je le connais. À mon avis, ça va être 4 courses de purge, mais quand même, on va tenter de marquer le plus de points. Là, c'est dommage, j'ai pas pu voir le podium. Ah, c'est bête, parce que Adelaide, j'ai perdu des points bêtement, mais vraiment bêtement. Alors, Dean McKean part premier, évidemment, moi je pars 10e, ce qui fait que ça rend le truc encore plus difficile. Ah non, mais je le redis, c'est scandaleux de même pas pouvoir faire de qualification et être en fait obligé de devoir attraper un mec qui va être intouchable au début parce qu'il aura aucune voiture avec lui. C'est juste mais déprimant en fait. Alors je ne tourne même pas, hein, je précise, c'est juste la voiture qui se déporte d'elle-même quand j'accélère à fond. À mon avis, il y a un gros virage après. On est d'accord, Donnie McCain est en tête. Du coup, ma seule chance, c'est de l'envoyer pêtre. Regardez l'accélération, j'ai pas eu trop place. Et une IA qui s'est loupée, et voilà. Et évidemment, c'est pour ma gueule. C'est génial. Allez, accélère. Évidemment, c'est Yakuma qui me suis fait avoir dans l'histoire. Au secours. Voilà, donc Donnie McKean maintenant est en tête. Bien loin devant. Apparemment. Ah non, je crois qu'il fallait s'arrêter au stand, c'est bon. Prendre de la vitesse. Voilà, une place de gagner. Apparemment, on peut le prendre à fond cet endroit, si j'ai bien compris. Allez, concentration quand même pour essayer de marquer des points. Alors, est-ce qu'on peut le prendre à fond du coup ce virage? Est-ce qu'il freine? Ah bah non, on peut pas! Évidemment, je pourrais pas prendre le virage avec.
Allez, l'aspiration. L'aspiration pour le podium, peut-être. Bon, troisième. C'est pas mal, deuxième podium. Oh là 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 là, mais... Pff. Bah encore les erreurs de trop, hein. Franchement... Ah par contre... Oh, attendez, on est troisième. Et il est où? Il est passé où? Il est passé où notre collègue Donnie McCain, 8ème? Et ben voilà, mais il est où? Et il est où? Complètement en transe quoi. Non mais je pensais qu'il allait gagner, franchement je pensais qu'il était devant. Normalement il était devant. À moins qu'on ait renversé tout à l'heure... Ah c'est peut-être lui en fait à qui on est rentré dedans. Ah, j'ai pas vu la voiture qu'il avait en fait, McCain. Ouais, je regarde. Bon, ouais, c'est le circuit de Canberra maintenant. Bon, on s'en fout. On va faire recommencer la course. Alors, Donnie McCain partira 3ème, on partira 7ème chez Lix Racing. Bah oui, donc c'est lui qu'on a dû taper, je pense, hein, quand il est parti à la faute. Du coup, ouais, chez Lix, normalement la voiture est rouge. Rouge-violette, il me semble. Bon. Écoutez, on va essayer de gérer. C'est peut-être la chance ou jamais hein, dans ce championnat. Nos sponsors sont tellement impressionnés par vos résultats qu'ils sont venus vous voir piloter. Donnez-leur du grand spectacle. Merci. Merci pour la pression. Je te revaudrai ça. C'est parfait. Deux fois. Le mec il se fait ralentir une fois et encore une fois, j'arrive à passer devant. Oula. Alors par contre, ouais, ce circuit, à mon avis, ça va être n'importe quoi. Ouf. Je me suis fait arrêter net par le mur. C'est magique. Ok, on va faire gaffe. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux que j'évite ça? Même l'IA n'arrive même pas à m'éviter, c'est quand je me le plante. Il accélère mieux que moi, je suis sorti plus vite que lui, il est déjà repassé devant quoi. Après peut-être qu'ils ont des boîtes de vitesse un peu courtes aussi. Bon, derrière ça a pigé. Hein. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait une épingle, c'est ma faute. En même temps, c'est difficile à voir hein, sur le tracé là. Ok, une autre là. Ouais, beau dépassement. Enfin, beau dépassement, non, mais on va dire que c'est quand même un beau dépassement. Ouais, c'est bon, ça passe. Ah, ça doit être lui, Ah, faut que j'arrête devant mon coéquipier, en gros, mon adversaire. Mais il faudrait que je le suive, hein. Parce qu'à mon avis, il va plutôt m'aider qu'autre chose. Ah, là, ils sont encore loin, donc on va en profiter pour rester derrière. Bon, là, il y avait une épingle. Il n'est pas une chicken.
Oh non! Mais non! Mais au secours! Non mais au secours, putain. Putain, mais je... Non, j'ai dit que j'annulais l'aérostand, putain, mais que c'est toi? Non, je suis rentré dans les stands, au secours. Ah, ma patience a tellement de limites là, mais là les limites elles sont dépassées, mais de fou. C'était le dernier tour, j'étais bien, j'étais deuxième, je me retrouvais dernier. Parce que je suis rentré au stand plutôt que d'aller à gauche, mais quel débile, mais qui est le débile qui a foutu l'entrée au stand en pleine ligne droite? Mais qui fait ça? Oh mon dieu! Oh là là, mais j'ai aucune chance maintenant de pouvoir y arriver quoi, c'est mort. Je vais deviner que c'est qui l'a gagné d'ailleurs au passage hein. Allez, pousse-moi si tu veux. Allez, on va essayer de remonter, 7ème. Oh non, mais ce genre de bêtises, mais c'est pas possible quoi. Comment je peux faire des choses pareilles? La chicane. Ah mais voilà, mais au secours. Je suis maudit dans ce jeu, c'est pas possible. Je suis maudit. Et on va finir 7ème hors des points alors qu'on aurait pu finir largement 2ème. C'est à l'autre côté, c'est à l'autre côté! Ah, j'ai la haine. Ah, là, vraiment, j'ai la haine, quoi. Ah, il termine deuxième. Heureusement qu'il termine pas premier. Mais ouais, mais. Oh là là, on est premier deuxième. Il est en tête du championnat. Bon, c'est pas mort, hein, on peut encore. S'en sortir, mais franchement, mais j'ai encore perdu des points bêtement. J'ai dû perdre des points au moins 30 fois bêtement comme ça. Alors là, c'est Bathurst. On va avoir, je sais pas combien de tours à faire. Ouais, Bathurst, ça va vraiment être compliqué. Je pense que ça va très mal se passer. Et Sandown, je n'en sais rien. J'ai aucune idée. Alors, combien il va partir sur la grille? Apparemment, il dit qu'il faut avoir beaucoup de vitesse, j'imagine. La ligne droite de Conrod exige une bonne vitesse de pointe, mais il nous faut aussi un bon appui aérodynamique pour la portion montagneuse. Dans ces conditions, mieux vaut choisir l'équilibre. Bon, ok, merci. Ça valait le coup. Alors, il va partir 3ème, et moi je partirai... Oula, 11ème. Donc le Bathurst qui... Ouais, la partie sinueuse en haut est vraiment trop difficile. Encore, je pense que la sortie, ça devrait aller. Enfin, la partie rapide, c'est pas le plus compliqué, mais c'est vraiment cette partie-là. Et surtout qu'on va découvrir le circuit. En plus, il y a un arrêt au stand obligatoire. À voir quand on va le faire, ça aussi. Franchement, je me tâte à le faire limite dès le premier tour, quoi. Alors si quelqu'un a compris comment faire un bon départ dans le jeu, qu'il me le dise, hein, franchement, parce que je n'ai réussi aucun bon départ depuis que le... Bon, écoutez, hein. Voilà. Attends, tourne. Ouais, c'est bon. Alors, faut faire gaffe maintenant, c'est la section sinueuse, la portion sinueuse. Et là, le plus dur, ça, voilà, les petites bosses comme ça va être plus compliqué. Alors, je connais en soi le circuit, hein, mais c'est juste que là, c'est difficile d'anticiper ce que fait l'IA.
Voilà, ici ça va être vraiment l'endroit difficile, c'est le freinage là. Alors, je vous le dis simplement, si je suis en tête au premier tour, je pense que je m'arrête au stand maintenant. Quoique, je vais quand même faire un tour parce que j'ai personne devant moi. Regarde la vitesse à laquelle il m'a redépassé, mais c'est impressionnant quoi. J'essaie de me concentrer parce que là faut vraiment pas se louper. Hein. C'est le même temps qu'il faut faire les scores, c'est la fin de championnat. Bon, pour l'instant je m'arrête pas. Je préfère continuer parce qu'il y a un énorme bouchon devant et pour les dépasser ça va être très compliqué. Ouais, je pense qu'on s'arrêtera à la fin de celui-là. Ça dépendra de l'avance que j'ai à la fin du circuit. J'ai l'impression que toutes les voitures s'arrêtent. Voilà, si je m'arrête au stand, je vais perdre tellement de temps à réparer tout. Aïe! Bon, je vais tenter encore un tour. L'entrée des stands est juste à gauche, hein, j'imagine, ouais.
Ok, on s'arrêtera au storm, au prochain, à la fin de ce tour. Ils ont bien choisi. Prendre Bathurst en mode 5 tours. Ah, c'est que je peux pas voir l'écart que j'ai avec les autres. Je le vois sur la carte, voilà, mais c'est quand même pas un écart en temps. C'est pour ça qu'on voit quand même que les ailerons seraient que dalle. Hein. C'est pas pour ça que j'ai plus de difficultés. Bon, j'ai tellement d'avance, je pense que ça devrait le faire. On va rentrer au stand. Bon, je prends l'arrêt minimum. En fait, je peux aller à gauche ou à droite, et suivant ce que je choisis, en fait, je pourrais parer plus ou moins de choses. Après, il y a des choses qui sont obligatoires, mais j'aurais pu parer plus longtemps. Mais pour l'instant, je vais mettre le minimum, parce que ça passe très bien sans. Une ligne droite paraît une éternité. J'ai la portière qui... Allez, ça repart. Ouais, on voit sur le circuit, je suis largement devant. Pour une fois, ça devrait être tranquille. Il y a des débris vraiment partout. Je n'ose pas imaginer le nombre de cartons qu'il y a dû y avoir pendant la course. Il y en a, mais à tous les virages quasiment. Bon, j'espère qu'il va finir pas deuxième, histoire d'avoir le maximum d'avance pour la dernière course. Et du coup, on est à 3 podiums, donc c'est potentiellement faisable le quatrième podium. A voir, hein. Dernière course. Bon, déjà, je sais que j'ai tout raté à cause de mon entrée au stand tout à l'heure, j'aurais déjà eu 4 podiums. Et il a fini combien Alors là, par contre, je vais rien dire parce qu'effectivement, là j'ai de la chance, il n'a même pas fini dans les points. Ce qui fait qu'au classement, eh ben, on a 9 points d'avance sur lui.
C'est pas encore le max, si on connaît pas champion, mais là vraiment on part avec pas mal d'avance. J'espère que ça va bien se passer. Souvenez-vous de cette phrase, hein, parce qu'à mon avis ça va très très mal se passer à Sandom. Bon là on joue juste les points, hein. Il faut absolument... Enfin les points, on joue le podium évidemment, mais au minimum faudrait marquer 2 points. Les lignes droites rapides et les longues courbes se combinent avec une portion centrale serrée. Il faut jouer le compromis. Valeur moyenne pour l'appui et la boîte. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, à chaque fois, c'est toujours pareil. À chaque fois, c'est ok, tu changes rien, tu restes en medium. Alors, qui va partir premier? Nick Landers, Denis McCain par troisième. Donc on va voir maintenant... comment ça va se passer. Sandown, dans mon avis, va être compliqué. Enfin, il n'est pas l'air très compliqué au niveau du tracé en lui-même, mais... C'est tellement random ce qui se passe en course. Ouais, allez-y, allez-y, passez, passez, y'a pas de soucis. Moi je vais rester à l'intérieur. Et hop, ça c'est fait. Bon, apparemment une chicane, hein, voilà. Hop. Je découvre le circuit en même temps que vous, peut-être. Je ne sais pas si beaucoup ont roulé sur le circuit de Canberra, mais en tout cas... Sandown, pardon. Allez, derrière, à quelle vitesse il arrive, quoi. Ah, ok. Apparemment c'était pas ici qu'il fallait tourner, qu'il fallait freiner, c'était plus tard. Ah, il y a 4 tours. Oui, c'était très laid ce que j'ai fait. Mais bon, regardez la vitesse à quel point l'IA va revenir. Je pense pas que ce soit le problème principal, le fait que je coupe un petit peu. Il a complètement pété tous les plots. Pelé tous les plots, ouais. Pété tous les plots. Allez, boum. Encore 2 tours. Faut vraiment que j'aille le prendre bien ce virage. Parce qu'à chaque fois, je perds énormément de temps. Pas de trace de mon équipier, de mon frère, puisque je ne vois aucune de ces voitures devant. Putain, c'est quoi. Allez, dernier tour. Faut vraiment que je puisse prendre le podium en tout cas. Putain,
Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me suis dit, il faut que je fasse gaffe, et évidemment, encore une fois, c'est raté. Oh putain, et évidemment, dans le dernier tour, vous vous y attendez. Voilà, et je me fais rentrer dedans, et je suis pas dans les points. Dans le dernier tour, et qui c'est qui va gagner la course peut-être, je ne sais pas. Non mais en vrai, voilà, comme par hasard quoi, évidemment. S'il fallait réécrire l'histoire, je l'aurais faite comme ça, quoi. Septième. Bon, on aura pas de points. Et voilà, j'ai échoué le quatrième podium au dernier moment. C'est déprimant. Vraiment déprimant. Bon, par contre, on a gagné, et ça, c'est la bonne nouvelle dans l'histoire, hein. C'est-à-dire qu'on a pas forcément le max de points, mais en tout cas, on a réussi à marquer pas mal de points. Il a même pas fini dans les... même pas fini dans les points, en fait. Il a fini 12e. Et du coup, on gagne pour un petit point sur Nick Landers. Voilà, on a eu du bol. Malgré tout, hein, malgré le nombre de fails. Alors du coup on a marqué que Valut Supercar 27 points. Quand je vois le nombre de points perdus, j'ai envie de pleurer. On a perdu au moins allez, un bon 10 points quoi. Qualification à 162 points, on est à 107 sur 162. Il va nous rester du coup championnat AS American et le single day event, donc c'est mort, hein. Il va falloir recommencer je pense. Ou alors on retentera les petits niveaux. Mais non même pas, ça changera rien en fait. Gilbert, comment ça va, mec? Écoute, tu te débrouilles bien avec un volant. Je pense que ça devrait te plaire de venir ici, à Basseur, pour te mesurer à un vrai champion. Eh ouais, pas un champion de pédagogie comme nous. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vais rester sur la carte, voir quelle voiture on va devoir... Ah, ça va être sympa, par contre, celle-là, pour la prochaine fois. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de ce Let's Play sur Tokyo Driver. Ciao tout le monde.